Bon. Voilà, alors je vais essayer d'allumer la radio. Je suis dans mon garage et donc je vais déjà mettre l'antenne électrique. Vous pouvez entendre. Je mets la radio. Voilà. Et on va attendre que les lampes chauffent. Voilà. On entend la radio. Comme on peut voir, ça fonctionne. Donc là, je vais recouper la radio et je vais essayer de mettre le moteur en route. Voilà, je coupe mon antenne et voilà, je coupe ma radio. Voilà, maintenant je vais starter, cylindre gauche, carburateur gauche, pardon. Starter, un petit peu à peine. Voilà. Carburateur droit, gauche et droit. Démarreur. C'est... Ah, pompe électrique, pardon. Pompe électrique. Ah. Il est capricieux. Ah. Ah oui. Ah. On va laisser chauffer un tout petit peu. Parce que comme vous pouvez voir, il y a un petit peu d'humidité là. Donc on est dans le garage, il fait froid, il fait 3 degrés à peu près. Maintenant, je coupe la pompe à essence électrique. C'est la pompe mécanique qui prend la relève. Et accélérer un tout petit peu. Bien accélérer à froid, c'est pas bon. Voilà, l'aiguille, on est à 1000 tours à peu près. Normalement, il est réglé à chaud, il est réglé à 1000 tours. Là, on est à 950 tours. Comme on peut constater la stabilité du contour. J'accélère un tout petit peu. J'accélère pas à fond, hein, bien sûr. J'aime pas accélérer à 3 comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon, pas du tout, pas du tout. Ouais, je vous dis, avec une lampe de poche que j'éclaire, le tableau bord, une lampe de poche. On est dans le garage, il fait noir. Voilà, vous avez vu, donc vous êtes à bord du Junior Barboni, du coach. Recarrossé Barboni, comme vous pouvez constater là. Vous voyez, là, il fait 0 degré. Vous voyez, 0, je disais 3 degrés, non, c'est 0, vous voyez, il fait froid. Et. Il commence à être chaud, là, vous voyez, il est 1000 tours.
j'ai bien sûr contrôlé avec le avec un contour mécanique, hein, directement sur le Delco. Donc c'est précis, très 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 précis. Voilà. Donc je coupe. Voilà. Je coupe. Là c'est coupé, tout est coupé, je coupe mon contact en dessous. Voilà,